Ça tourne. Je suis Camille Jost, j'ai 21 ans et je suis étudiante par alternance à Besançon. Allez, c'est parti, on va en cours maintenant. J'étudie à l'ENSEM dans la filière microtechnique et design en option luxe et précision. La formation à l'ENSEM est extrêmement variée, c'est-à-dire qu'on touche un peu à tout. Il y a l'électronique, il y a les matériaux, les traitements de surface, il y a les maths aussi. Après mon baccalauréat, j'ai entamé une filière en classe préparatoire en maths physique. Je voulais appliquer ce que j'apprenais en cours dans le domaine professionnel. C'est pour cela que j'ai voulu entamer un parcours par alternance. Bienvenue chez Forestia, là où je fais mon alternance. Allez, venez, je vous emmène. Salut les gars. Et là, c'est mon bureau. Je passe la moitié de mon temps chez Forestia dans l'entreprise Clean Mobility, dans le domaine de l'automobile. Déjà, l'alternance, c'est on s'ennuie jamais, c'est-à-dire que l'aspect théorique, on le fait et on applique ce qu'on fait dans l'entreprise. Chez Forestia notamment, je suis dans un Fab Lab, c'est-à-dire qu'ils manipulent encore plus, c'est-à-dire les objets 3D, la machine laser. Après mon parcours par alternance, beaucoup de portes vont s'ouvrir à moi dans tout plein de domaines, je dirais pas seulement l'horlogerie. Les entreprises cherchent de plus en plus des ingénieurs qui ont eu une formation par alternance parce que justement ils s'adaptent plus rapidement et mieux généralement. J'ai trois casquettes. J'ai le domaine des études à l'ENSEM, j'ai le domaine du professionnel chez Forestia, mais j'ai notamment la casquette du sport. Et là, on est à l'entraînement et c'est parti le rugby. Je suis inscrite en fait dans l'association de rugby en tant que vice-présidente et en tant que fille, on est dans un univers pas mal masculin dans la filière notamment. Donc on a peut-être besoin les filles entre nous d'avoir d'être un peu plus fortes intérieurement et au moins on l'exprime en plaquant des gens. Donc ça c'est pas mal. J'aime bien le côté bourrin. C'est cool le rugby. Pour trouver une formation qui vous correspond, il faut vraiment chercher quelque chose qui vous plaît, qui vous tienne à cœur, une passion, quelque chose, et ne pas regretter, et surtout oser faire les choses quand on en a envie.